Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je m'appelle Isidore. Je vis en Belgique, je suis à Bruxelles. Et je vais partager avec vous une vision que le Seigneur m'a montrée ce matin. Aujourd'hui, on est le 10 janvier 2016. Dans les environs de 6h à 7h du matin, j'ai vu qu'il y avait plusieurs convois de voitures, de bus. On était dans les bus, des différents bus. On allait à une destination. Et on était arrivé à un checkpoint ou bien un centre de contrôle où tous les bus étaient arrêtés. On devait faire sous forme de transit, on devait prendre un autre bus. C'est comme si toute la Terre était représentée. On était dans les bus, dans des différents bus. Et on attendait à ce checkpoint. Je n'ai pas vu de militaires, je n'ai pas vu de soldats, je n'ai pas vu de contrôleurs, je n'ai pas vu de surveillants. Non, je savais qu'on était à l'arrêt. On était à l'arrêt à un checkpoint. On devait faire un transit. Il y a un autre bus qui devait venir, on devait prendre un autre bus pour continuer le voyage. Bien-aimé, j'ai vu qu'il y avait un petit bus. Je ne pouvais même pas comparer à un bus de 9 places. C'était un minibus, un tout minibus. Comme les minibus des Indiens, là. Vous voyez les minibus des Indiens avec des moteurs de Vespa, là, quelque chose comme ça. Ça n'était même pas à 9 places, pour ne pas trop exagérer. Je disais aux gens, mais rentrons dans le bus, rentrons dans le bus. On était tous à l'arrêt. Ils écoutaient ce que je leur disais, mais personne ne faisait des gestes. Ils étaient tous immobiles. Et ils disaient, mais rentrons dans le bus, rentrons dans le bus. Et puis, directement, il y a un homme, un monsieur qui était arrivé. Il était arrivé, gars, gars, gars. Il a marché avec un pas vraiment, il a marché d'une manière rassurante. Le monsieur a marché d'une manière rassurante. Il était arrivé chez nous. Il a dit, vous, rentrez dans le bus. Et moi, je disais dans mon cœur, mais rentrons tous dans le bus, rentrons dans le bus. Rentrons dans le bus, rentrons dans le bus. Et il me dit, non, tous là sont perdus. Vous, rentrez dans le bus, rentrez dans le bus, rentrez dans le bus. Et il dit, mais et les autres personnes là, comment est-ce qu'on peut les laisser? Mais ces gens-là, quand ils écoutaient ce que le monsieur là disait, ils ne plaidaient même pas pour leur vie, ils ne plaidaient même pas pour leur transit. Ils étaient à l'aise, ils regardaient seulement le monsieur. Et moi, je plaidais, mais je dis, mais tous ces gens-là, il y en a assez de gens, il y en a assez de gens. Il en a assez de gens. Il dit, c'est fini pour eux. C'est comme ça qu'il disait, c'est fini pour eux, c'est fini pour eux. Il dit, non, mais tous ces gens-là, rentrons dans le bus. Rentrons dans le bus. Bien-aimés, la Bible nous dit que plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. C'est comme si toute la terre était représentée. C'est comme si toute la terre était représentée. Parce qu'il y avait beaucoup de bus. C'est comme si toute la terre était représentée. Et parmi tous ces gens-là, pour faire le transit, c'est seulement, ou bien moins de 9 personnes, moins de 10 personnes qui sont prêtes à continuer ce voyage avec ce monsieur. Mais je dis que ce n'est pas possible. Et lui disait que c'est fini pour eux. De les laisser, que c'est fini pour eux. De les laisser, c'est fini pour eux. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ces gens-là sortaient. Ces gens-là sortaient des bus là pour aller rentrer dans le minibus que je ne pourrais même pas comparer à un minibus de 9 places. Et j'ai dit, mais comment? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ces gens-là se dirigeaient vers le bus pour rentrer dans le bus. Bien-aimé, la trompette va bientôt sonner. La trompette va bientôt sonner. Est-ce que tu es prêt à être enlevé? Est-ce que je suis prêt à être enlevé? Bien-aimé, réveillons-nous authentiquement. Réveillons-nous, prenons vraiment ce temps-là au sérieux. Sinon, ce serait trop tard. Ce que j'ai vu, c'était vraiment effrayant. C'était vraiment effrayant. Ce n'est pas que le monsieur rejetait les gens-là. Ce n'est pas qu'il les rejetait. Mais ces gens-là, automatiquement, savaient qu'ils n'avaient pas accès à ce bus. Le monsieur ne les condamnait pas. Mais au fait qu'ils se sont eux-mêmes condamnés, c'est pourquoi ils me disaient que ces gens-là ne pouvaient pas rentrer dans le bus, que c'est fini pour eux. Ce n'est pas qu'il les rejetait lui-même. Non, il était prêt à prendre les gens. Il était prêt à subvenir à ce transit. Mais ces gens-là n'étaient pas prêts. Ils étaient comme des perdus. Ils n'étaient pas prêts. Mais moi, je leur disais, rentrez, rentrons dans le bus, rentrons dans le bus. Les gens me regardaient, ils ne plaidaient même pas pour leur vie. Bien-aimés. C'est le temps de plaider pour ta vie. Plaide pour ta vie ce moment. Dis au Seigneur, je veux aller avec toi. Je veux être enlevé avec toi. Bien-aimés, prions pour le corps de Christ. Prions pour les chrétiens sur toute la terre. C'est vraiment sérieux. Prenons ce message-là au sérieux. Les gens pensent que nous exagérons, qu'on parle trop d'enlèvement, qu'on parle trop de toi, quoi, 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 quoi. Bien-aimés, ce n'est pas du mensonge. Je sais de quoi je te parle. C'était terrible. C'était terrible. Il y avait une colère sur la figure de ce monsieur-là. Il était énervé avant de dire, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Laissez-les, c'est fini pour eux. Laissez-les, c'est fini pour eux.
C'est fini pour eux. C'est comme ça qu'ils parlaient. Et ces gens-là ne réagissaient même pas. Ils étaient tous silencieux. Ils étaient tous silencieux. Sur cette terre, par exemple, si on nous dit qu'on va faire des distributions d'aliments gratuits, les gens se précipitaient. Les gens se précipitaient pour aller prendre de quoi que ce soit. Ou bien il y a un bus qui arrive et on est en train de dire qu'il n'y a pas la place dans le bus. Les gens font tout possible pour aller rentrer dans ce bus-là pour être le premier à être assis. Mais ici, ce que j'ai vu, ce n'est pas la même chose. C'était le contraire. Le bus était là, le minibus était là. On appelait les gens de sortie, mais les gens étaient immobilisés. Les gens étaient immobilisés. Ils ne bougeaient même pas. Ils étaient à leur place. Et le monsieur disait que c'est fini pour eux. C'est fini pour moi. Le peu là qu'il a dit, venez, rentrez dans le bus, le peu là qu'il a dit, il ne les a pas désignés par leur nom, mais qu'elle a dit, venez là. Ces peu là, ces moins de 10 là, sont sortis, ils sont partis dans le bus qui devait les relayer. Bien-aimés, la trompette va bientôt sonner. Le bus de la transition est là. Veux-tu aller au ciel? Est-ce que tu es prêt à te relever au moment où tu es en train d'écouter ce message? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ce minibus-là? Prions, 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 prions. Vous qui allez écouter ce message. Pour que seulement, ce n'est pas seulement le minibus que le Seigneur va amener. Qu'il amène des trains, des wagons, des milliards de wagons de trains. Des trains pour pouvoir prendre son peuple. Si je dis mais des trains, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une place vraiment suffisante. Il faut qu'il y ait une place suffisante pour ceux qui seront enlevés. Ce que j'ai vu là, c'est vraiment terrifiant. Pas seulement ce minibus. Pas seulement ce peu de gens qui seront enlevés, bien-aimés. Prions, prions. Faisons cette prière pour le corps du Christ. Le Seigneur va te bénir. Fais cette prière. Si tu as ce message, si tu écoutes ce message, commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour les chrétiens. Commence à prier pour les âmes perdues sur toute la terre. Commence, le Seigneur va te bénir. Ne rejetons pas ce message. Prenez ce message au sérieux. Si vous prenez ce message au sérieux et si vous réagissez, le Seigneur élèvera sa main. Et que les âmes qui sont perdues, les chrétiens qui dorment seront réveillés pour que nous puissions, ce jour-là, rentrer avec lui, vivre avec lui, régner avec lui, d'éternité en éternité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous fortifie tous, là où vous êtes actuellement, qu'il vous fortifie tous, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous ouvre vos yeux afin que vous puissiez vraiment voir, qu'il ouvre vos entendements. Afin que vous puissiez entendre et qu'il vous fortifie, afin que vous puissiez marcher sans être fatigué. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis partout où vous êtes sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. The sound that